Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne nouvelle vidéo King of Fighters All Star. Vous l'avez vu dans le trailer que je vous ai mis juste en intro, j'ai limite envie d'appeler cette vidéo Street of Fighters All Star. Parce que oui, ça arrive, la collab King of Fighters All Star cross Street of Fighters 5. Et je sais que le 6 vient d'être annoncé, donc Street of Fighters 5 vient d'être publié et commencera donc le 24 mars. Le but de cette vidéo, c'est déjà de vous donner... Première partie, les premières infos. Et deuxièmement, comment se préparer à cette collaboration. Parce que si on se base des deux précédentes collaborations, à savoir, comme vous le voyez à l'écran, Guilty Gear et Dead or Alive, il y avait pas mal de récompenses, pas mal de choses à savoir, anticiper un petit peu les choses pour dépenser le moins de rubis possible et savoir surtout ce qu'il faut aller chercher, que ce soit en termes de personnages ou en termes de cartes. Sur ce, on va juste passer rapidement sur le site officiel. Donc comme d'habitude, hein, sur la chaîne, tout est en description et comme d'habitude, tout est chapitré au niveau de la barre de navigation YouTube. On est sur le site officiel. Première chose à faire. Ici, event coupon. Donc vous avez déjà un code. Le code, alors on m'a demandé où rentrer les codes sur une précédente vidéo. Ça se passe ici, regardez. Hop, là. Donc, vous allez sur le petit téléphone, juste en dessous en fait. De votre rang, vous avez un petit téléphone comme ça. Et je vous dis de la merde parce qu'en fait je suis sur PC et du coup sur PC ça marche pas. Mais en fait sur téléphone, vous, dans ce menu là, il y a un menu pour rentrer les codes. Et je vous mettrai également le lien en description parce que sur iOS, vous ne pouvez pas rentrer les codes via ce menu là. Donc le lien que je vous mets, c'est pour ceux qui jouent sur PC et sur iOS. Donc c'est un code SFV Collabo 500 rubis, on prend. Ensuite, au niveau des combattants, on sait qu'on en aura 6. On aura Ryu. Obligé. Obligé qu'on ait Ryu. Ensuite, vous le voyez à l'écran, on aura deux versions de Chun-Li. Rien n'est confirmé en ce moment au niveau des rangs, mais je suppose qu'une Chun-Li sera SS et l'autre sera de type Fest. Ensuite, il y a, vous voyez, trois cases en Coming Soon. Moi, officiellement, je n'ai pas les infos, mais je vous mettrai donc le screen à l'écran. Certains se sont amusés à fouiller un petit peu dans le code source de la page. Donc pour les prochains persos, il s'agirait de Akuma. Akuma, on le sait, via le trailer que je vous ai mis en début de vidéo, Akuma apparaît à la fin, donc c'est sûr à 99% qu'Akuma sera dans le roster. Il y aurait également Luke. Alors Luke, grosse interrogation pour ceux qui connaissent pas un petit peu la dernière version de Street Fighter, donc la Street 5. Luke est en fait le dernier personnage qui a été intégré à Street Fighter 5 et qui du coup sera le personnage qui effectuera la transition entre Street Fighter 5 et Street Fighter 6. Donc oui, les plus anciens joueurs de Street Fighter 2, parce que je pense que c'est celui qu'on connaît le plus, le 2, le 3, éventuellement le 4. Luke, c'est vrai que pour vous c'est un parfait inconnu. Et là pour le sixième personnage, grosse interrogation, parce que dans le code source, c'est marqué Vega. Vega, c'est compliqué parce qu'on a tous Vega, le combattant avec la griffe. Mais on ne sait pas si ça sera Vega ou si ce sera celui que nous, on connaît plus communément sous le nom de M. Bison. Hein, Bison, plus communément. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'années de ça, il y avait un conflit entre les noms, entre Vega et Bison. Et c'est pour ça que suivant les versions de Street Fighter, il y a des personnages qui ont eu leur nom complètement inversé. Genre Vega est devenu Bison, Bison c'était devenu Balrog, Balrog c'était un autre perso, Vega c'était encore un autre perso. Ils avaient changé pas mal de noms de personnages. Il y avait eu un conflit, non, je pourrais plus vous dire exactement ce que c'est. Mais voilà, grosse interrogation sur le sixième personnage, si l'exploitation du code source s'avère correct. On ne sait pas si le sixième personnage c'est Vega ou Bison. Sur ce, on retourne en jeu pour vous filer quelques infos pour vous préparer à la collaboration. Alors, je vous le répète, tout ce que je vais vous dire maintenant, je vais me baser sur les précédentes collaborations qu'on a eues. On en a pas mal des collabs maintenant que le jeu est lancé. On a eu Gintama, Samurai Shodown, Tekken 7, on a eu Catch, on a eu Seven Knights, hein, on a eu Seven Deadly Sins et on a eu Dead or Alive. Alors moi, je vais juste me baser sur tout ce qu'on a eu au niveau des deux précédentes collabs, donc Dead or Alive et Guilty Gear. Vous le voyez, il y a des SS dans les personnages. Les SS, en fait, ce sont des personnages de type Fest, mais beaucoup plus fort. Ce qui risque de se passer, les précédentes collabs, on a eu, pour Dead or Alive, on avait eu Onoka, qui était offerte d'une certaine manière, hein, je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Elle était offerte, Onoka,
Et il y avait, alors je confonds toujours les noms, c'est Marie-Rose. J'ai toujours Marie-Noël, mais je sais pas pourquoi, Marie-Rose. Donc ça, c'était déjà les deux personnages qui étaient offerts sur la collab d'Eora. Sur la collab Guilty Gear, les personnages offerts étaient Sol et Madame Pirate, Mei. Donc déjà, il y aura des personnages offerts, lesquels, je ne sais pas. Particularité maintenant, Onoka était offerte sur un event de type carnaval. Donc c'est quoi un carnaval? En fait, c'est tout simplement un event à points. Ces events à points, on en a connu trois sur le jeu. Il y a les events endurance, hein, donc vous devez dépenser beaucoup d'endurance. Un autre carnaval qu'on a eu, c'est l'event des cartes. C'est-à-dire que vous devez pool des cartes, et en fonction de la rareté des cartes que vous avez, vous obtenez de plus en plus de points. Et le troisième event carnaval qu'on a eu, c'est un event d'invocation. Pareil, plus vous invoquez un personnage très très rare, plus ça vous fait énormément de points. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, alors attention, ceux qui ont la dépense facile sur l'inventaire, fermez juste les yeux, juste 2 minutes, hein, parce que hey, moi je prépare les collabs, désolé. Hein. Hop, voilà, 129 tickets d'invocation All-Star. 2 tickets d'invocation 5 étoiles, énormément de tickets d'invocation de cartes, des tickets d'invocation de cartes en 5 étoiles également. C'est pas fini. Là, on a des mémoires fesses parce que oui, les mémoires, cette mémoire-là vous donne aussi des points. Ces mémoires-là sont des mémoires de Fighter Fest, vous donnent aussi des points. Celle-là aussi, c'est pareil, hein, ça vous donnera des points. Des cartes. Alors là, attention, on banque carrément des cartes 6 étoiles. Le gars n'a pas peur. On banque des cartes 6 étoiles. Qu'est-ce que j'ai encore? Encore des cartes. Alors tout ça c'est tout ce que j'ai eu en bonus en faisant mes quotidiennes. Je les banque, ça fait des rubis, des invocations et potentiellement des cartes également. Hein, voilà, on banque. Tout ça, hein, c'est du farm. Possibilité d'avoir des mémoires festes. Donc voilà, moi je suis tranquille en cas d'event carnaval invocation. Je suis tranquille. Hein, en cartes, peut-être un peu moins. Ouais, j'ai même banqué des BS et des SS, les gars. Pour vous dire, on en est là. En cas d'event carnaval, ça se passe. Voilà, et j'ai banqué aussi pas mal d'endurance. Hein, vous le voyez ici. Ça, donc ça, c'est les box qu'on reçoit tous les jours dans le Secret Shop. Et même là, j'ai un stock. Donc voilà, préparez déjà votre stock. Là, je vais sortir la vidéo, je pense, le 6. La collab, c'est le 24. Vous avez encore pas mal de temps pour bien vous préparer. Bien sûr, préparez autant de rubis que possible. Alors, les rubis... Si vous êtes nouveau dans le jeu, vous avez tous les modes d'histoire à faire. Hein. Vous avez énormément de modes d'histoire à faire là-dedans. Il y a plein de rubis à choper là-dedans. Hein. Vous avez tous les modes de difficulté, toutes les séries. Hein. Voilà, tout ce que vous voyez là-dessous, c'est des rubis à farmer. Il n'y a pas de problème. Et encore, on vous montre que les rubis qu'il y a dans un mode d'histoire. Hop, tac, tac, dégage-moi ça. Voilà, tous les rubis que vous avez juste là. On vous montre pas encore tous les succès qui se débloquent quand vous complétez les modes d'histoire. Donc, banquer déjà un maximum de rubis. Déjà via le mode d'histoire, ensuite via les donjons. Chaque fois que vous allez monter en palier sur un donjon, vous avez encore d'autres récompenses. Sachant que dans la dernière mise à jour, on a eu des nouveaux paliers de donjons qui se sont débloqués. Je vais vous montrer ça. Hop. Ici, voilà, on a eu des nouveaux donjons élémentaires. Donc chaque fois que vous allez clean un donjon élémentaire, 300 rubis. Hein, si vous faites le score, bien sûr. Faites ce que vous pouvez comme vous pouvez, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a encore en rubis? On a tout le temps le time attack qui donne des rubis, surtout le time attack du week-end. Essayez de taper le meilleur score. C'est quoi? C'est rouge? Ouais, je vois ce que je peux faire. Vous tapez le meilleur score, vous tapez du WS sur le time attack du week-end. C'est 300 rubis le samedi, 300 rubis le dimanche. Ça se prend. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ici. Là, si vous arrivez à faire les scores max, bon, c'est pas pour les débutants, clairement. Mais ça, c'est 150 rubis par boss. Donc là, il y a 450 rubis par semaine. En plus, chaque fois que vous arrivez à faire votre à gonfler votre score max, ben, vous avez encore des rubis. Donc voilà, même si vous commencez le jeu maintenant, vous savez de quoi faire. Je vais encore vous donner encore 2-3 trucs sur les rubis. Le PVP, bien sûr, le PVP qui donne énormément de rubis. Enfin, énormément. Surtout la guerre absolue. Je trouve la guerre absolue, c'est quand même le mode qui rapporte le plus de rubis. Récompense. Je trouve jamais la récompense, je regarde jamais dedans. Voilà. Moi, en général, je finis ici. Platine 5 à platine 3, je fais 1000 rubis à peu près. 1000 rubis par semaine. L'autre mode, la ligue, donne beaucoup moins de rubis.
crois que c'est quelque chose qu'on voit sur en gold, je crois que ça va me faire... C'est pas beaucoup, je crois que c'est 100, 120, 150 rubis. Ah voilà, voilà. Season reward, voilà. Je suis à 850, je vais faire 160 rubis. Bon, clairement, ça, c'est anecdotique. Mais voilà, il y a énormément de rubis à faire. Donc, préparez la collab dans un premier temps. L'endurance. Faites un stock de cartes. Parce que c'est vrai que je vous ai que montré mon inventaire. Mais là également... Ah, je peux pas vous le montrer. Je peux vous le montrer autrement. Bah bref, j'ai du stock. Hein, j'ai du stock. Tac, 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 tac. Pour la collab. Voilà, j'ai de quoi faire. Hein? Bon. Voilà, en cas de... En cas de... Ah, tu sais, t'es 206 cartes. J'ai quand même pas abusé, quoi. Donc voilà, en cas de cartes. Cas de festival invoque ou endurance, je suis tranquille. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut espérer au niveau des événements? Donc là, on a l'événement, en ce moment, on a l'événement des retours BS, hein, dans 11 jours. Dans 11 jours, on sera le 15, le 16, le 17. À partir du 17, commencez à surveiller le jeu. On n'est pas à l'abri qu'ils fassent ce qu'ils appellent un pré-event. Je ne sais plus pour quel collab ils ont fait ça. Mais on avait un pré-event où on pouvait déjà choper des tickets d'invocation pour les collabs. Donc commence à surveiller le jeu déjà à partir du 17. Voir s'il n'y a pas des petits events cachés pour récupérer des petites choses, etc. Ensuite, au niveau des événements, donc ce qu'on a eu sur les précédentes collabs, c'était donc, je vous l'ai dit, je vous ai assez bassiné avec ça, l'event à points, je ne reviendrai pas dessus. On a eu des events bingo. Hein, donc vous avez clairement des objectifs, genre fais 50 donjons d'or et hop, ça te fait un point. Et quand, quand ça fait un point, ça vous fait une case dans le bingo. Et une fois que vous avez complété une ligne de bingo, ça vous donne une récompense. Donc on peut avoir un event bingo. On peut avoir un event roulette aussi. Event roulette qui, généralement, vous donne les personnages et aussi vous donne des tickets d'invocation. Alors, rien à voir avec cette roulette-là, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut surtout avoir aussi ça. Donc un event... Alors, je sais pas comment on pourrait appeler ce genre d'event. Le challenge. Oui, alors le client PC, il y a toujours quelques bugs. Mais en fait, c'est une tour. Et cette tour-là, vous pouvez que y aller si vous avez le personnage requis. Sur précédente collab, je crois qu'on en avait deux. On avait deux tours. Donc chacune des tours avec des récompenses. Donc, en espérant qu'on ait nouveau deux tours, parce que encore plus de récompenses. Et surtout, ne vous fiez pas à ce qui est écrit là. Ils vous montreront le CP recommandé de 77 000. Non. Moi, j'ai clean mes précédents events. J'avais 50, 55, 60 000 grand max. Pour clean les events, donc vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On aura probablement une story mode. Une story mode, un autre event de farm à points. C'est le même schéma, hein. Là je vous montre l'event actuel. Et tout simplement ici, donc vous aurez des personnages avec des augmentations de bonus de drop. Et en fonction des cartes que vous avez, ça fera aussi un bonus de drop également. Et je vous montre ce que ça fait en fait d'obtenir une team avec un bonus. Sachant que la team que j'ai là, elle est pas dingue. Cette team-là, par exemple, me fait un bonus de 230% au niveau de mes médailles. Enfin, des points à faire. Et avec les points après, vous pouvez du coup torpiller la boutique. Je me rappelle, à la précédente collab, on avait quand même un doublon. Non, pas toi, désolé. On avait quand même un doublon de rame létale qui était offert. Bon, du coup, c'est un doublon. C'était pas le personnage, c'était un doublon. Donc, si vous n'avez pas eu rame létale, le doublon ne vous servait à rien. Mais voilà, les events sont quand même relativement généreux. Je vous dis, les précédentes collabs, j'avais commencé à 45k rubis. J'avais fini la collab, j'avais eu tous les persos, toutes les cartes à 40 000 rubis. C'est-à-dire que j'étais remonté à 40 000 rubis. Entre les pools qu'ils offrent, entre les rubis qu'ils offrent, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, je vous dis ça par anticipation par rapport à ce qu'on connaît précédemment. Dernière chose, qu'est-ce qu'il faut privilégier au niveau des pools? Alors attention, on va rentrer un petit peu dans le technique. On va prendre la collab sur laquelle j'ai bien braqué. Ouais, Guilty. Guilty, alors... Par où on va commencer? Il vous faudra déjà le personnage. Dans le cas d'un non-SS. Je dis bien d'un non-SS. Vous le voyez, de toute façon, les SS, ils sont là. SS ou BS. Parce que c'est vrai que je vous dis souvent SS. Il se peut que s'ils nous sortent Vega slash Python, ce soit un BS. Ce serait plus logique. Dans le cas d'un non-SS, vous allez pull le perso. Et vous allez surtout pull sa carte 3 GP. D'ailleurs, je me rends compte qu'en fait... Ouais, c'est pas grave, je ferai ça tout à l'heure. Non, je le fais tout de suite, ça va me trigger sinon. Désolé. Hop, hop, hop. On va mettre la niveau 10 à la bonne place quand même. Ça veut dire que ça fait des mois que je joue avec le niveau 1. Qu'est-ce que je suis nul. Alors, il vous faudra du coup la carte 3 GP du personnage.
Attention, parce que du coup, les cartes 3 GP ont différents effets. Il y a la carte qui a un effet spécial, attaque plus 2%. Et par exemple, cette carte-là, c'est la même. Ah, du coup, alors j'ai vraiment pas eu de bol sur Ramletta. Là, attendez, on va aller sur un autre perso. Dizzy, par exemple. On est toujours sur les cartes, c'est pas grave que ce soit SS. Là, on est sur de l'active skill 4,5. Et là, on est sur de l'attaque 2. Donc, il y a des cartes ultimes, 3 GP, mais avec un effet bonus. Alors là, vous cassez pas la tête, en vrai, ça influe très peu. Vous en avez une, c'est bon, skipper. Donc le but, c'est, pour les non-SS, je le répète, les non-SS, choper le perso, la carte. Point. Est-ce qu'il faut aller chercher la carte de collab? Non. Pour moi, non. Parce qu'en fait, le passif ne s'applique que sur les persos de la collab en question. Vous voyez cette carte-là, c'est la carte de la collab, c'est le set de cartes de la collab Guilty Gear. Le boost ne s'applique que sur les collab, sur les personnages Guilty Gear. Donc clairement, le jour où les Guilty Gear sont dépassés, parce que les Guilty Gear, tôt ou tard, seront dépassés, cette carte ne servira plus rien. C'est pareil pour les cartes options. C'est toujours bien de les avoir, je dis pas. Hein. Mais vous voyez, augmente les dégâts critiques sur les persos Guilty Gear, ça sert à rien. Donc si on a les mêmes cartes pour les Street Fighter, augmente le set de, un set de cartes Street Fighter qui augmente les dégâts des Street Fighter, c'est pas la peine d'aller chercher forcément les sets de cartes et cette option, vu que ce que nous donne le jeu en temps normal suffira grandement à remplacer ce qu'on peut avoir dans le pool. Donc là, c'était le blabla pour les non-SS, donc les persos fest. Maintenant, les SS. Les SS, un peu plus compliqué. La règle pour les cartes, je ne la répète pas, c'est la même. Choper le perso, la 3 GP, pas besoin du set de cartes, pas besoin des cartes options. Cependant, alors, ce que je vais dire, c'est surtout pour les joueurs un peu plus expérimentés. On va aller du coup dans la combinaison. Alors, si je fais ici un échange dimensionnel, ici, je peux échanger 3 persos et faire une enveloppe dimensionnelle. Cette enveloppe dimensionnelle, elle me sert de doublon sur tous les personnages collaboration. Sauf que ça ne marche pas sur les personnages collaboration SS. Donc, là j'ai des mémoires BS, moi dans mon cas, j'en ai quelques-unes, j'en ai deux de côté. C'est-à-dire que du coup, pour mes personnages SS, pour faire office de doublon, il faudra une mémoire SS. Sauf que bon, du coup, il y aura l'event de craft comme on a exactement ici en ce moment. Hein. Je fais n'importe quoi, excusez-moi. Ici, hop, 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 là, donc là... Ah non, c'est... Putain, je tape à côté. Voilà. On aura cet event-là, en fait, pour créer une mémoire BS ou SS. Sauf que, vu que ce sera la collab, il faudra sacrifier des doublons de la personne... des doublons des personnages collab. Maintenant, si vous comptez... Si vous êtes déjà assez expérimenté sur le jeu, et si vous comptez jouer longtemps, il y a une chose qui a été rajoutée, et c'est une très bonne chose. C'est dommage que ça arrive un an après la sortie des premiers personnages SS. Là-dedans, Gildred. Oh, ma petite reward, s'il te plaît, merci, voilà. Ils ont ajouté donc le dernier mode que vous voyez juste derrière ma cam. Voilà, le mode Inferno. Et en fait, quand vous faites la bagatelle du petit score de 1,250 millions et 230 000, vous avez peut-être la chance d'obtenir cette box 9 sur le raid et d'avoir du coup des mémoires BS et des mémoires... Chut, elle est où? Je sais qu'elle est là. Et des mémoires SS. Voilà. Donc, pour en revenir un peu à nos personnages, est-ce qu'il faut forcément aller chercher les mémoires des doublons des personnages SS? C'est comme d'habitude, c'est en fonction de vos finances. Voilà, si vous avez la possibilité, pourquoi pas. Sinon, bah, vous aurez les doublons plus tard, quand vous serez en mesure de faire du 1 250 millions sur le boss de guild. Voilà. On a fait, je pense avoir fait le plus gros info. La vidéo est déjà assez longue, 20 minutes, je suis désolé. Hein. Ça n'avait pas prévu que ça dure autant. Mais voilà, la priorité. Préparez vos ressources. Ticket d'invocation, ticket de mémoire, ticket de carte, endurance. Et pour les personnages, le perso et au moins une carte ultime. Au moins une. Voilà. Après, si vous voulez tous les persos, c'est à vous de voir. Moi, je pense que je vais tous aller chercher. Voilà. Les dernières collabs, j'ai toujours tout réussi à tout compléter. On va pas se gêner là-dessus. Voilà. Au moins, pour la collection, pour dire Jifu. Voilà. Hein, bon, il y a juste Seven Lady Sin. J'ai pas eu beaucoup de chance. Et on a eu quoi avant? Seven Knights.
Seven Knights, on a vu quoi? Ouais. Ouais. Voilà. Et avant, c'était Samurai Shodan. Il y a très très longtemps, c'était Samurai Shodan. Voilà. Allez, pour les curieux qui connaissent bien le jeu, hein, petit aperçu de la boxe. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, on en est là. Voilà, voilà, voilà. Du coup, alors, je veux dire, on fera pas des vidéos King of Fighters All-Star tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être une fois ou deux dans le mois. On aura toujours les streams sur Twitch de temps en temps. Non, généralement, quand il y a des mises à jour, on fait un petit live tranquille, voilà. Petit tour en description pour le soutien, comme d'habitude, à Twitch, Twitter, Discord, etc., etc., tu connais. Et nous, on se retrouve un jour. Voilà, c'était Lino, portez-vous bien. À bientôt sur la collab King of Fighters All-Star Cross Street Fighter. Ciao tout le monde.